Oh, c'était un match très difficile. Ben, c'est une situation qui nous est arrivée. Bon, on s'est préparé en conséquence. Effectivement, le match a été très difficile. Bon, ce qui m'a plu beaucoup, c'est le conseil donné aux joueurs qu'ils ont respecté. Malheureusement, c'est le pénalty là qui est venu tout gâcher. Sinon, les joueurs, ils ont joué, ils ont été francs. Ils se sont défoncés, comme je l'ai dit, défoncés correctement pendant les 90 minutes. Bon, 1-0, ce n'est pas un résultat, comment dire, criard. Donc, on essaiera de se réchausser pour aborder le match retour. D'abord, le championnat on va le jouer demain. Après, le mercredi, contre encore une équipe tunisienne, ça nous permettra de revoir encore ce qu'on peut faire. En tout cas, nous tenons en tout cas à jouer le deuxième tour de la campagne de la CAF. Nous avons le championnat. Et nous avons oublié déjà la défaite. La défaite, c'était logique. C'est arrivé, bon, c'est le football, il faut l'accepter. Mais il faut l'oublier aussi directement, parce que nous avons le championnat que nous devrons jouer le dimanche, demain, et puis aborder le mercredi le match de la CAF. Non, il n'y a pas trop de conseils. Ce qui est sûr, on est dans le tempo, comme on le dit, on est dans le tempo aujourd'hui avec les jeunes joueurs. Ils ont compris. D'abord, ce n'est pas nous, c'est vous, c'est eux d'abord. Ils veulent se faire voir, ils veulent se faire vendre, comme on le dit. Et après ça, c'est l'équipe, après c'est le pays, après. Donc moi, je me dis qu'il n'y a même pas de commentaire là-dessus. Ils vont se donner, ils vont se défoncer sur tous les plans pour qu'on puisse gagner ce match. Donc l'état d'esprit de le joueur, ça, il ne faut même pas le cacher. C'est très formidable. C'est un esprit de fer, c'est un esprit de gagnant. Ils sont prêts, en tout cas, à tous les niveaux aujourd'hui pour faire des bons résultats. Bon, juste chez nous, c'est vrai, tout le monde est fort chez lui. Selon moi, je me dis qu'à l'heure actuelle, là, n'importe quel stade aujourd'hui, l'équipe peut s'évoluer. Parce que ce que nous avons vu en Tunisie, ça m'a réconforté beaucoup. Ça m'a dit que, quel que soit le stade aujourd'hui en Afrique, là, cette équipe-là peut se dire un mot en tout cas là-dessus.